Eh bien, bienvenue pour enfin cet unboxing que j'avais teasé sur Facebook du labyrinthe Harry Potter par Ravensburger. Donc, vous voyez. Alors, la règle du jeu. Alors, ça dit qu'il faut s'orienter à travers le labyrinthe pour trouver les chemins menant au jeune pensionnaire. Harry, Ron, Hermione, le professeur Dumbledore, Hagrid ou encore Edwige. Ils attendent qu'on les retrouve. Il faut faire coulisser les plaques, c'est le principe du labyrinthe après, pour transformer les impasses en passages ou bloquer les adversaires. Donc, alors que dans le labyrinthe classique, il faut cheminer sur le labyrinthe pour récupérer des ingrédients pour fabriquer des potions. Alors, on l'ouvre. Hop. Voilà, donc ça, c'est les plaques amovible, celle-là c'est celle qui bouge dans le que vous rajoutez sur le labyrinthe. Clac. La règle du jeu. Hop. Les cartes personnages. Les cartes personnages. À déplacer, hein. À défaire. Le plateau de jeu. Hop. Avec les plaques qui, elles, ne bougent pas. Et les pions, hein, c'est dommage. Les pions. Hop. Et les petits pions. Vous démarrez sur les côtés. Les pions verts sur le vert. Le pion rouge. Rouge. Bleu sur le bleu. Voilà. Pouf-souffle, Serpentard, Serre-d'aigle, Gryffondor. Je vais monter les plaques vite fait, montrer le principe. Pas compliqué, hein, si vous avez déjà joué au labyrinthe, vous avez déjà vu à quoi ça ressemble. Je vais le monter. Vous montez, vous faites des chemins. Hop, un chemin là. Sympa les petites araignées. Ron appréciera. Je sais pas si ça va faire le point. Voilà. Et oui, sympathique. Ça me donne envie de se balader dans Poudlard, tout ça. Hop. Hop. Hop, je fais un thé. Hop, hop, hop. Normalement, à la fin, il doit en rester une seule que vous ne rentrez pas sur le plateau. C'est celle qui vous sert à jouer. Donc, il n'y a pas de dés puisque c'est chacun son tour. Tout bêtement. Fadora. La même scrim jour. Hop. Tac, tac, tac. Normalement, je vous ferai une vidéo où je vais jouer avec mes mini Potterhead assistantes qui attendent ça depuis le temps qu'on a reçu le jeu. Vu que eux, ils sont comme maman, ils adorent à la fois labyrinthe. Voilà. Je vous refais le point. Et en fait, le principe, vous avez des flèches qui vous indiquent les chemins qui ne sont pas bloqués et avec lesquels vous décalez. Hop, vous décalez votre chemin. Voilà. Et vous pouvez le faire dans l'autre sens. Allez, bouge, ombrage. Voilà. Et c'est chacun son tour. Voilà. Donc, je referai une vidéo dans laquelle je testerai avec mes loulous. Et franchement, le jeu est sympa. À part les pions, toujours stylisés, mais ça reste sympathique.
Donc là, lui peut se déplacer jusque là. Là, il a un mur, il peut pas y aller. Le bleu peut aller jusqu'à Dumbledore. On voit pas. Hop, je décale. Il est sur Dumbledore. Tac. Voilà. Le rouge, il peut faire ça. Oh, mon pion pouf souffle, il peut récupérer Lupin. Voilà. Allez, à très vite pour une vidéo durant laquelle on fera une partie avec mes assistants Potterhead.